Merci à la Fondation pour les sciences de l'Afrique, SFI. Merci à Welcome Trust, UK Aid, pour avoir accepté de financer ce programme qui se veut hyper ambitieux. Merci à toutes les structures partenaires en Côte d'Ivoire, en Afrique, ailleurs, qui sont associées à ce programme très directement ou indirectement. C'est par ces mots que le professeur Kone Anza, directeur du Centre suisse des recherches scientifiques en Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de la troisième phase du programme Afrique One Reach. Afrique One Reach, qui est la troisième phase des activités du consortium panafricain de recherche scientifique, est un programme de renforcement de capacités des chercheurs et praticiens africains. C'est un programme qui a commencé depuis 2009, donc il y a plus d'une vingtaine d'années, et qui consiste à développer les capacités institutionnelles et individuelles dans le domaine One Health, autrement dit le domaine Une Seule Santé, un domaine qui veut que les approches sanitaires soient prises de façon holistique en considérant à la fois la santé de l'animal, la santé de l'humain et la santé de l'environnement. Et nous, nous intégrons dans ce programme par la formation des chercheurs à tous les niveaux, niveau master, niveau PhD et niveau postdoctorant. Et ces chercheurs auront la capacité de mener des recherches sur des priorités sanitaires en Afrique et apporter des solutions à travers le design des interventions que nous allons aussi développer. Afrique One Reach est un programme spécial du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il est financé par Developing Excellence in Leadership Training and Science in Africa. Un programme à long terme de plusieurs millions de dollars lancé en 2015 pour soutenir des consortiums dirigés par des scientifiques basés en Afrique.